Enfin sorti de là. Ouais, c'est pas ça qui fait de manage, ça. Bon. Ah! Comme vous pouvez le voir, je suis ressorti de prison après quelques mois. Fait du bien d'être à la maison, d'être au travers de mon stock. Ring. Ma vieille gang, je vous vois faire, là. Pense que vous avez pas conscience de ce qui reste. Vous avez pas conscience que Danger Zone 36, c'est le dernier Chris de show de la WTF Backyard. Après ça, je crisse la clé dans la porte. Fait que pour tout le monde, pas juste moi, pas juste Wall, pas juste... Tout le fucking monde! C'est la fin. Prenez votre crise de trou. Là, je suis revenu, là. Je vais en mettre de l'autre en place. C'est pas bon, c'est pas au Burke, c'est pas au Wall. Personne. Personne va le monter sur le dos. Il me reste deux shows, puis après ça, moi, je décalisse. Fait que là, on va régler de quoi? Ben, là. Fait que Danger Zone 35, comme vous pouvez le voir, il va avoir un nouveau titre. Ou plutôt, un remaster du titre de la Québec Elite. Striker contre Max Morgan. Morgan, tu sais qu'on s'est déjà affronté. Je t'ai sous-estimé, tu m'as battu. Raven, grand gueule, pis ça, je le sais, pis tout le monde le sait dans cette crise de fédération-là. La seule différence que Striker et Grave ont, c'est que Striker, il tape avant de parler, et non l'inverse. Fait que sous-estime pas Striker. On a un petit peu la même folie mentale, les deux. Parce que quand Striker pète sa couche, Grave est pas mal sur le même principe aussi. Fait qu'à ta place, je ferai attention. Même chose pour mon frère Striker. Striker, je te l'ai dit l'autre fois. Si tu gardes pas le contrôle, tu vas perdre. Oui, t'as ton psychopathe en dedans. Ça, je le sais, ça fait longtemps. J'ai réussi à te le faire sortir. À cette heure, toi ici. Fais attention. Sous-estime pas Morgan. Je me mêlerai pas dans votre combat. Mais toi, Burke, si tu te mêles, souhaite juste mettre le Christ de pied pas loin du ring pendant ce combat-là. Je vais sortir de ce que je vais être, puis je vais te crisser une volée, puis je vais t'en renvoyer à Calgary à coup de pied dans le cul, mon gros colis. Oui, je t'en ai deux, je t'en doué pas mal d'affaires. Là, à cette heure, la dette est réglée. On est quitte. Fait que d'ici à la fin de la saison, là, toi ici, prends ton Christ de trou. C'est drôle, tu parles de plein de choses. C'est drôle, t'as pas expliqué à tes FYN. Pourquoi t'as pas acheté la fédération? Tu l'as pas dit. J'ai honte, tu expliques. T'es magouille, là. Depuis que t'es rentré ici, tu fais la marde. Peu importe ce que tu vas faire, la fin reste la fin, Burke. Après ça, c'est fini. Fait que tu remets ta marde ailleurs, puis moi être bien content, puis pelleter ta marde. Ça va être un plaisir de pouvoir être à Christ de face. Dommage. On aurait pu tellement bien travailler ensemble, mais ça a l'air qu'on n'a pas les mêmes idéaux d'un chacun le bon. Pour les autres, Zach Yoff, là qu'on se parle. Tout le long que j'ai été en prison, t'as jamais venu me voir une crise de fouet. La seule affaire que t'as faite, c'est... focusé sur mon frère. Je sais pas pour quelle raison, probablement pour la jalousie, je sais pas. Mais il faut la qu'on chose tous les deux. Parce que je comprends pas ton attitude envers lui. Je t'ai toujours considéré comme plus qu'un ami, même un frère. Oui, Striker est pas un cadeau, je peux comprendre.
Mais t'as crissé de mouer, comme t'as dit à Stryker. C'est un manque de respect que je comprends pas de ta part. Mais faut la jaser one-on-one. T'as tout le temps été le gars que j'ai respecté le plus, ça, pis tu le sais en crisse. Tu m'as déjà battu le fouet. Pis t'as eu le meilleur de moi. J'ai eu le meilleur de toi. Pis ça, je suis bien content de ça. Fait que pour ton prochain combat contre Wall, au prochain show, je te souhaite sincèrement de gagner. D'accord. Parce que si tu gagnes, il y a peut-être des chances que tu te rendes jusqu'au bout avec un des plus gros titres que la Fédération a jamais eu. Puis avant de vous laisser, j'ai de quoi régler avec Payne. Toi, là. Mon asti de pique de Christ. Tu chioles après moi que t'as des choses à régler. Qu'est-ce que t'as à régler avec moi? Fuck all. Fucking nothing. T'as fait ta marde à la saison 5. T'as fait ton asti de cave, t'es crissé le cas comme une fiotte. T'as abandonné D.O.D. que je contrôlais dans l'époque, puis que je t'avais donné une chance pour être ici. Tu me chies dans les mains, tu t'en veux une partie de mes pouvoirs, mais c'est drôle, hein? Il m'en reste encore. Fait que c'est-tu quoi? Ton hostie de challenge, le cure-dent, je l'accepte. Il reste juste à régler des petits détails. Inquiète-toi pas. Tu mettras ton titre de corps en jeu, mon hostie. Puis aussi, t'apporteras une couche. Pourquoi? Va te le dire, moi, mon hostie de crotté. Tu me traites de gros. Check-toi avant de checker les autres. T'es mail, esti, m'a pété en deux, tabarnak! Comme une branche, esti! Qu'est-ce que j'ai hâte de te mettre la patte dessus? Mais ça, je vais garder ça en temps et lieu. En temps et lieu, mon esti. J'ai tellement hâte. Tu peux pas savoir. Tellement que j'en perds l'honneur, mon esti. Quand t'es parti à saison 5, là, t'es parti, tu t'es sauvé. T'es jamais revenu. Là, t'en reviens de nulle part! Tu me challenges moins. Tu dis que je vaux plus rien. Que je sais plus quoi faire. Que je suis rendu gros. Que je suis rendu magané. Oui, j'avoue. Oui, je suis magané. Mais je te sens tabarnak, mon esti. Mais je te pogne. Je te jure que tu vas en demander. En esti. J'en viens à mon histoire de couche. Amène ta crise de couche. Parce que, mais je te pogne. Tu vas tellement avoir peur de moi. Puis de mon démon, mon esti, tu vas chier dans tes culottes. J'espère que ça, tu vas le comprendre, mon esti. Tu me challenges, moi. Esti, t'es pas peuré, mon esti. On s'est jamais pogné, hein? Probablement que c'est ça, ton erreur. De me challenger, moi. Moi, là, j'ai plus rien à perdre. Il reste deux shows. Pain. Deux crises de show. Fait que tu sais, à ce temps-là, là, mon hostie piquette de tente, là. Tiens-toi tranquille. Puis garde ton hostie d'hardcore sur ton épaule. Parce que c'est moi qui vais la chercher. Mon hostie. Hey. Crise de fendant de calice. Avec ton hostie de crise de coupe de cheveux papier mâché de tabarnak. Avec un hostie de sac à poubelle. Moi, j'en ai pas de cheveux. Mais au moins, tabarnak, j'ai pas l'air d'un hostie de cave. Tu veux me challenger, mon hostie? Tu te challenge, Crave! Tu te challenge, Crave! C'est ça. C'est ça, Payne. Continue à le faire chier, mon tabarnak! C'est ça, Payne! Tabarnak! Oh, yes! Danger Zone! Danger Zone! 35, 35, 36, d'argent, dit! Moi, tout, je peux être fou. Stryker, lui, puis je t'encore aussi mongol que lui. On est de la même famille, c'est pas pour rien. Pain, en Danger Zone 35 puis 36. On va se voir, on va jouer ensemble, puis on s'aide ça. N'importe où, n'importe quand. Je t'attends, mon asti de frein de chat. Fait que tu sais, à ce temps-là, Pain. On s'en fout.
de faillite. Bye-bye.